Well, Cuphead and his pal Bug Man, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with... Et bonjour à tous. Et qui c'est? Et bah c'est le corbeau. Et voilà. Et ça déchire. Et c'est génial. En écoutant. Oh putain, ça va mal dire. Ça va mal. Mais je sais pas comment dire bonjour en vidéo. Moi, il faut comment les youtubeurs à la con là. Non, pardon. On va encore dire que je suis aigri. Ils font quoi? Ils font. Bonjour à tous, c'est le corbeau. Comment ça va? Moi en tout cas, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cuphead. Voilà, c'est comme ça qu'ils font les gars. Non, moi je fais pas ça. Hein. Moi je fais bonjour, c'est le corbeau, ça va? Allez, bref, j'arrête de faire le débile. On était où déjà? Ah oui. La ruche. Allez, on l'avait testé qu'une fois, je crois. Alors. Donc, les bouboules à hélice. Elles font quoi dans la vie? Elles explosent, d'accord. Putain. Ouais. D'accord. Bon. On va pas s'affoler. On en a vu d'autres dans ce jeu. On connaît le principe. Hein. C'est dur. Hop là. Allez, ça passe. On va juste faire attention au truc qui explose là, voilà. Sinon, ça a pas l'air quand même bien dangereux. Merde. Alors, c'est quoi ça? Maya l'abeille. C'est quoi la chanson de Maya l'abeille? De Maya l'abeille déjà? Maline mais espiègle, c'est pas ça. C'est quoi? Merde, je sais plus ce que c'est. En tout cas, ils envoient des belles saloperies, quoi. Tiens, bouffe-toi ça. Eh ben putain. On en était où? D'accord, petite moitié. Putain, mais c'est pas simple, hein. Bon, on va recommencer la méthode. Soyons méthodiques. Première phase, on sait qu'on s'affole pas. Oh, je suis pas d'accord. J'ai dit non, monsieur. Merde. Voilà, suffit d'attirer d'un côté. Hop. On s'en sort pas mal. Ok. Ça c'est fait. Donc. Oh. Bon, ça part par les pointes du triangle, j'imagine. Waouh, ouais, c'est ça, d'accord. Pff, qu'est-ce que je suis con, je reviens dessus. Oh lolo. Bon, c'est pas si dur, les gars, on va y arriver. On va y arriver, Cupide, mais espiègle, Maya. Non, mais c'est pas ça, les gars, c'est quoi? C'est pas Cupide, mais espiègle, Maya, elle est pas... Elle est pas cupide, Maya. Si, elle est cupide, non, c'est rien, moi. Elle est cupide. Foshi, je suis là. Je suis pas connu, Maya l'abeille, moi. Je suis vieux, mais bon, pas assez. Sournoise de mes espiègles, Maya. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas sournoise. Elle est pas sournoise, c'est un truc gentil. Gentille, mes espiègles, Maya. Non, c'est pas ça. Ça me revient. Parce que la vidéo, s'il faut à parler de ça, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y, salope, mes grosses putes Maya. C'est plutôt ça, je crois, les gars. Putain. Oh là 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 là. Allez. Connasse Maya, quoi. Putain, merde.
C'est quoi ces trucs là? Putain. Allez. Putain, c'est quoi la chanson de Maya, les gars? Putain, je veux la chanson de Maya. On va aller voir la chanson de Maya. On a rien à foutre, moi. Maya, générique. Maya l'abeille, générique français. Bon, voilà. Alors. Ça, putain, les gars, petite mais espiègle de Maya. Ah, sérieux, c'était pourri. Moi, je préférais ma version. Petite, c'est nul. Petite, c'est, on s'en fout qu'elle soit petite. Les abeilles, elles sont forcément petites. Attends, il y a des abeilles plus petites que d'autres. Petite mais espiègle Maya. Eh ben, y'ont. Tout va bien, la maîtrise est totale. Hop. Tout va bien. On lui fait plus peur, la première phase elle est cadeau. Très clairement. Bon. Le triangle des Bermudas. Oh putain. Allez, mais aussi ça m'apparaît dessus, c'est pas bien ça les gars. Ça ne se fait pas. Franchement, c'est pas évident ces trucs là. Allez! C'est quoi ça déjà, la boule là? Vas-y, mettez plus de bouboules! Y'en a jamais assez des bouboules dans ce jeu de toute façon. Bien, tout va bien. Vas-y, rajouter du triangle. M'en bats les couilles. Yeah. Bouffe-toi ça. Petite mais espiègle Maya. Voilà. C'est quoi ça? Elle fait l'avion. Je peux suis. Je peux suis. Je suis où? Oh putain. Où on était pas loin, à mon avis. Ouais, ok, facile. Pourri, mais petite Maya, quoi. Pas de soucis, c'est parti. Cette fois, c'est dans la poche. Petite mais espiègle Maya. Marrant ça, non? Ça fait rire que moi, je crois, là, je suis seul dans mon délire, là. Je crois que Maya l'abeille c'était ressorti, j'avais vu des versions 3D, c'est que maintenant ils font plus que. Il n'y a plus de vrai dessin animé, c'est que de la 3D maintenant. Ah c'est plus comme à l'époque hein. Ah c'était mieux avant. Ah on savait s'amuser à l'époque des colonies. Putain. Ah les bouboules. Au moins à l'époque il n'y avait pas de bouboules. Hop, hop, voilà, tranquille. Ok, les triangles infernaux. Oh les gars, ça c'est casse-couille. Hein. Faire apparaître les trucs dessus là. Belle mentalité, Maya l'abeille. Elle a changé quand même. Hein. Mais elle a mal tourné, Maya l'abeille. Elle hein. A eu des problèmes d'alcool, de drogue. Voilà, elle était dans des réseaux un peu bizarres. Hein. C'est connu ça. Un peu comme Mallory Nataf. Putain, j'ai réussi à crever encore. Hein. Incroyable ça. Pourtant c'est pas ouf. Hein.
J'aurais peut-être dû claquer mon... mon gros méga ulti. Oh non! Ok, il suffit d'esquive, on s'en fout du reste, on esquive, c'est tout ce qui compte. Ah, nique ta mère, cupide de mes espiègles. Ah putain. Donc oui, il faut que je claque mon méga ulti en fait, parce que sur la dernière phase, je peux pas le faire. Faudrait que je fasse en bas et ce n'est pas possible. Enfin, à mon avis. Après, c'est peut-être possible. Alors pourquoi au début c'est le policier abeille? Je comprends pas. Où est la logique? Il y a des policiers abeilles dans des ruches? C'est possible, hein. Ils sont capables. Hein. Après tout, n'oubliez pas, les abeilles sont cupides mais espiègles. Et sournoises, allez, je suis pas tombé là. Incroyable cette histoire. Oh là 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 là. Triangle de merde. De quoi? Bon, allez. Arrêtez de déconner. Putain, je crois que je suis en train de capturer le son beaucoup trop fort, les gars. Ça se trouve, ça sature depuis tout à l'heure. Bon, tant pis, ça saturera. Allez, je me concentre. J'arrête de faire le con. Parce que c'est quand même pas si dur. Ok, on est bon. Toi tu dégages. Voilà. Voilà. Nickel. Alors, de quel côté ça arrive? Côté milieu. Ah là là. Allez. Oh non! Ah, HP, pourquoi? Ah, putain, je suis vraiment nul en fait. Alors, en fait, d'accord, les bouboules violettes, elles aspirent mes tirs verts, j'ai l'impression. Ça, c'est cupide et espiègle, ça. Ok. Allez, ça fait que 10 minutes de vidéo après tout, enfin 12 apparemment. Faudrait qu'on se dépêche vite de la tuer quand même. C'est pas dur. Et donc a priori, voilà, quand elle envoie les grosses boules violettes, il faut pas que j'utilise mon tir vert parce que... Voilà, ça le contre en fait. Oh non! Oh non! Bon, c'est pas grave. Ok. Donc attention, ça va peut-être faire le triangle, voilà. Oh non! Putain, franchement, le triangle, il est limite pourri, quoi. Merde, merde, merde. Ouais, ok. On se dirait qu'on est mort, les gars. Ok. On le fait tout de suite. Envoie des bouboules autant que tu veux. On s'en fout. Ça va être dur. Un point de vie pour l'avion, ça va être dur, très clairement. Mais bon. Allez, on se concentre. Putain, c'était quoi ça? Oh là là, on était au bout. On était au bout, hein. C'était quoi cette attaque de la scie circulaire là? Ah là 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 là.
D'accord, je peux vraiment aller dans le... C'est du miel, hein, je pense, à côté, là. Non, c'est pas du miel, c'est de la gelée de... d'abeilles. Ah, faut suivre pour comprendre les blagues, maintenant, hein. Voilà, moi, c'est... Corbeau qui joue sur Cuphead, c'est une saga, hein. Si vous suivez pas, vous êtes largué. Puis d'abord, c'est même pas des abeilles, c'est des guêpes. Alors là, c'est des abeilles, là, c'est sûr. Les guêpes ne font pas de miel. Ah, ça m'énerve. Si j'y suis pas là, je suis pas concentré là. Parce que c'est pas dur. Hein. Allez, on a hâte de parler. On fait la bonne technique du silence. Je ne dis rien pendant cet essai et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Ah là 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 là. Bon. C'est putain de triangle là. Il faut pas que je perde de vie bêtement dans les premières phases. Ça me chie où là? Ok. J'ai commencé à râler, hein, sinon. Voilà. Servez-vous. D'accord. Oh. Ok, bouboule. Eh oui, forcément. Bon, c'est pas très grave. Triangle. Oh là là. Double triangle. Putain. Bon, bah, c'est mort. Ça va faire la scie circulaire, ça. D'accord. Oh là 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 là. Pourtant, là, on est à rien, c'est sûr. Ah, quand même, plus que tout à l'heure. Je suis mauvais, je suis très 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 mauvais. Non, c'est pas ma faute, elle est cupide, mais espiègle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De quoi? Ah, c'est l'autre connard, là. Sinon, on va essayer d'aller acheter des nouvelles armes ou des nouveaux trucs. Alors, il y a la fameuse téléportation. Le dash, on se téléporte, là. Tout le monde joue avec. Bon, c'est surpuissant, mais pour moi, c'est trop puissant, quoi. C'est complètement pété, comme truc. Du coup, on peut tout esquiver, vu qu'on passe à travers. Pas envie, bah, j'ai envie de me faire ça à l'ancienne. Ok.
Allez. C'est la bouboule. On anticipe. Non, putain, elle revient à gauche. Je vais dire, j'anticipe si elle arrive à droite, mais bien sûr. Ok, ça va faire le triangle. Voilà, triangle. On s'affole pas. Voilà. Ah, c'est pas grave. Voilà, pas mal. Ok, hop, ok. C'est bien ça. Non, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je monte par où là? Ouais, ok, c'était limite, hein. Bon, allez, deux points de vie. Deux points de vie pour le navion. Ok, ici circulaire. On reste de l'autre côté, c'est bon. Attention au point. Non, c'est circulaire. Super. Attention, les points, ils sortent des réacteurs, je crois, c'est ça? Ok. Allez, elle va mourir. Elle va y passer, là. On va la voir. Meurs, voilà. Ah, petite, mais bien morte Maya, quand même, là. Elle fait moins la maline. Putain, je capture trop fort, les gars. Le son va gueuler. Bon, c'est pas grave. Je vais reculer un peu le micro. Je pense que ça ira mieux. Et ben voilà. Bah alors, fallait pas s'énerver, les gars. Ça capture pas. Ça capture pas. Pourquoi ça capture pas? Ok, bah alors de retour, je suis allé vérifier. Techniquement, si ça capture, mais plus rien ne m'indique que ça capture. Donc c'est la panique, les gars. Donc on va jouer un peu. Mais pas trop, je vais faire une petite partie, vous comprenez, pour pas que je me foire. De toute façon, voilà, là on est parti comme la semaine dernière, quand on fait du Cuphead, ça va aller très vite, on va enchaîner. Vous aurez une partie par jour ou presque, hein, donc même si ça dure que 40 minutes, c'est pas très grave. 30-40 quoi. Alors, j'aurais besoin de quelques astuces si je veux faire des trucs bien. On commence par, voilà, mélanger ton armement. Faut pas s'attendre à ce que toutes les armes fonctionnent pareil. Voilà, merci. Le bateau. Shooting and looting. Looting, ça sent les pirates, ça, les gars. Waouh, il est trop classe. Excellent. Non. Ok, donc, sur le bateau en lui-même, je ne le touche pas, on est d'accord. Ouais, c'est ça, il faut que j'aille vraiment le chercher comme ça. Sauf si je fais ça, du coup. Ouais, j'aime bien moi ça. Ah ouais, il est là, du coup, ça va sur le tonneau. C'est pas forcément ouf, quoi. D'accord. Alors, la pieuvre. Bon, la pieuvre, c'est pas la mort. Ah! Deuxième pieuvre. Ok. Ah, je suis mort de quoi? Oh putain, on avait déjà fait tout ça? Bon. Ça m'a l'air abordable cette histoire. Il m'a l'air prenable, le sel pirate. Ok, c'est quoi? Ok. Des chiens toutou. Alors, ça existe, hein, en vrai, bien sûr. Il y a bien des loups de mer. Oh, dis donc. Attends, je dis ça, il y a bien des éléphants de mer. Il y a quoi d'autre? Des chevaux de mer. Des hippocampes, quoi. Donc, quand tu fais ça, je me recule parce que je sais pas tout ce qui arrive. Ok. Wow, 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 wow. Bon, il y a bien une grosse phase, à mon avis, quand même. Ouais. Wow.
Oh là là. Putain, j'ai esquivé le boulet, mais avec un coup de chance monumentale. Oh, je l'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Ah, il faut faire gaffe. Oh là là, ouais, il commence à s'exciter méchamment là. Allez, je vais te calmer, mon gars, moi. Viens, mange-toi ça. Ok, encore 2 points de vie. C'est faisable. Ah, ok. Alors. D'accord. D'accord. Oh merde. Ok. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bon, j'ai dit ça de l'abeille. En même temps, mais l'abeille, on l'a eu facilement. Hein. 20 minutes, je crois, ça va. Voilà, le tonneau est à droite, hein, donc je vais pas prendre de risque. Désolé pour les notifications Steam qui arrivent de partout. Pas bien grave. Ok, on voit des trucs. Ok. Allez, montre-toi ça, montre-toi ça, montre-toi ça. Alors, le requin, on l'a vu, on l'a vu. Donc du coup, la méga grosse attaque, on va la garder pour la fin. C'est vraiment la forme du bateau là. Waouh. Ouais, il faut surveiller les boulets aussi, on le sait. Donc les boulets, ils arrivent quand... D'accord, c'est le bateau qui le crache en fait. Merde. Ok, ok, ok. Là, je l'aime bien lui. Pieuvre. Non, pas pieuvre. Requin. Voilà. Ok. Déjà? Ouais, déjà. Alors, où est-ce que je le touche? Je me baisse. Ah ouais. Ah d'accord, je touche son espèce de glotte là. C'est dégueulasse ça d'ailleurs. Allez, mange. Ah bah oui, ça pique, hein, c'est sûr. Ah mais oui, mais oui, mais oui. Oh, oh, oh. Et là, il n'y a rien les gars. Dites-moi qu'il n'y a rien, je croirais pas. Attends, j'ai fumé un peu. A brand new record. Cuphead, un jeu fantastique de plateforme et d'aventure. On est bon. Ouais, surtout moi, quoi. Faites pas grand-chose, vous, les gars. Je veux rien dire, mais vous êtes un peu passifs hein, dans ce délire. Bon, on a quoi? Ça, on l'a fait, c'était la ruche. Ici on a un running gun. Allez, on va faire le running gun. Ok. D'accord, donc eux c'est des boomerangs. Hein. Voilà. Alors, jusqu'où ça peut descendre cette connerie là? On sait pas trop. Oh oh, d'accord. Ouais. Ah, c'est chiant quand même ces trucs là, putain. On passe par là, boum 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 boum, allez hop. Je suis mort pour une pièce. De
toute façon, on le sait que dans ces niveaux run and gun, faut pas trop essayer, j'ai l'impression de... prendre son temps, il vaut mieux foncer, quoi. Dans ce genre-là. Ok, ça, ça peut être chiant. On s'affole pas. Super. Ah, mais je peux les détruire, eux. Le lendemain. Un mois plus tard. Non, on peut pas. Allez, hop là! Waouh! Et là! Vous croyez quoi? Oh, la piécette! Ah, j'oublie la piécette! C'est pas grave. Ok. Ok, pour l'instant, on est bon. J'espère juste que ça capture, hein, sinon je deviens fou. Facile. C'est facile, hein. Waouh, le cyclope, regardez. Trop beau. Ah, ouais, trop beau, mais je crois qu'il va nous saouler. Je tire avec l'arme verte, hein, voilà, au cas où. Au cas où. Si ça peut lui revenir dessus, mais j'ai pas forcément l'impression. Waouh. J'ai perdu qu'un point de vie là-dessus, dans deux, forcément. Ah, mais il commence à saouler, là. De quoi? Je suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est fini. Oh, bah alors là. Easy money, les gars, comme on dit. Je sais pas où on dit ça, mais ça se dit quelque part. Excellent. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on arrête là si jamais ça capture pas? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire quand même. C'est plus prudent. Voilà. Là, la route est fermée. Junkyard par ici. Là, on a quoi? Bon, c'est quoi ça? Marine Corps. Allez, on teste un coup. Un coup et on arrête. C'est quoi? Un rat dans une boîte de conserve. Excellent. Ah. Oui, d'accord. Alors. Ah. Je vois le genre. Alors, faut que j'aille dessous là, non? Ah non, je peux monter là-haut, ok. Je savais pas ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, bon, super les gars. C'est très bien, c'est toujours aussi bien. La partie est courte, hein. Désolé, vous comprenez qu'avec mes soucis techniques, je veux pas prendre de risques. Parce que déjà, si là, je me rends compte que ça a pas capturé, ça va moins rigoler chez le corbeau. Amusez-vous bien. Et méfiez-vous des espiègles, mes sournoises de Maya. Ciao. Dans un pays de
tous les temps. Ville la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps.